aussi se révoltent, tandis que notre syndicat restera passif. En tout cas, je crois que je peux parler pour tous les syndicats. Non, on ne va pas faire cela. On va être avec eux, clairement, dans les rues. Als vakbond zullen we initiatieven zoals dit van jullie hier vandaag blijven ondersteunen en er alles aan doen om dit actief te houden, samen met onze militanten. We zullen proberen om initiatieven als dit te verbreden en onze militanten actief te laten deelnemen. We hebben daarvoor een heel pak manieren om dit te doen, maar ik wil het nog heel even over een aantal andere dingen hebben. Ja? Het is alleszins voor ons heel duidelijk dat we debatten en acties nodig hebben voor een socialer Europa. Voor Brusselse jongeren zijn we op dit moment bezig met een jongerenplatform op te richten waar alle jongerenorganisaties in Brussel worden op uitgenodigd. Onze actiepunten voor zo'n jongerenplatform zijn eigenlijk heel simpel. Werk voor alle jongeren, een goede opleiding, een begeleiding voor alle jongeren en een betaalbare huisvesting voor alle jongeren. Nous demandons un signal clair envers les pouvoirs publics pour qu'ils prennent conscience du problème et veillent à concrétiser les promesses de l'emploi, les premiers emplois et l'amélioration de la formation des jeunes, tous les jeunes, en Flandre, en Wallonie, mais aussi et surtout à Bruxelles. Wij willen nu toekijken hoe er een generatieconflict ontstaat. Wij willen een echt globaal debat en niet enkel een eindeloos debat. En Espagne, nos amis disaient no pasarán au néolibéralisme. En France, les jeunes disent les jeunes au boulot et les vieux au repos. Merci. Peut-être depuis mai 2010 qu'on a eu l'intervention de l'Union Européenne et de l'FMI en Grèce, un véritable carnage social prend lieu, avec des réductions salariales, des privatisations de masse, des coûts budgétaires, etc. Ces mesures ne sont pas prises pour sauver la Grèce en général, pas pour sauver la grande majorité des Grecs. Il n'est pas possible d'ailleurs de sauver quelqu'un en les massacrant. Le soi-disant plan de sauvetage a deux vrais objectifs. Le premier objectif, c'est de transférer la dette grecque des banques privées allemandes, françaises, mais aussi belges et grecques, aux États européens, et alors à votre dos, les dos des contribuables européens. L'annulation des 20% de la dette qui a été annoncée en juillet n'est qu'une escroquerie. Les banques vont changer les bons d'État qui ne valent maintenant que les 36% de leur valeur nominale pour d'autres qui valent 80% de cette valeur. Encore une fois, alors, elles sont en train de tirer du profit, alors que la Grèce se dirige déjà vers la faillite contrôlée. Le programme de l'Union Européenne et de l'FMI a déjà transféré une grande partie de la dette grecque qui ne sera pas payée aux États européens. C'est alors vous qui allez payer ça. Et cette dette-là n'était pas créée ni par vous, ni par les peuples grecs. Elle a été créée par des élites responsables grecques et européennes. La bourgeoisie grecque, parce qu'elle a adopté un modèle économique sans avenir pour le pays, et en faisant la logistique du capital de l'Europe de l'Ouest pour son expansion à l'Est. Les capitalistes de l'Europe de l'Ouest, ils ont été responsables parce qu'ils ont prêté à la Grèce pour qu'elle achète leurs produits, tout en restant enchaînés. Si on prend en compte que la fortune des banques grecques aujourd'hui est aux alentours de 700 milliards d'euros, et que la fortune des multinationales en Grèce c'est autour de 500 milliards d'euros, et qu'il estimait que les capitalistes grecs, ils ont fait fuir en Suisse, dans les banques suisses, 600 milliards d'euros, alors on voit que si on taxait tout ça avec 10%, la dette grecque sera disparue demain matin. Mais au lieu de faire ça, on fait payer les peuples grecs et les peuples européens. Ça, c'était alors le premier objectif du plan de sauvetage. Le deuxième objectif, c'est de baisser les coûts de travail en Grèce pour promouvoir une compétitivité basée sur les bas salaires. Et ça, c'est qu'une étape d'une procédure généralisée pour faire converger vers les bas les salaires dans toute l'Europe.
Et je vais vous citer quelques exemples de mesures. La Troïka, qui se compose de la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, a demandé, il y a quelques semaines, et a obtenu la révision unilatérale de l'accord national interprofessionnel pour amener le salaire minimum à 500 euros. Les salaires moyens, depuis des ans, ils ont reculé de 20 à 30% et jusqu'à